Eh bien bonjour, c'est Jean-Jean. Le virus recule, mais le virus avance. Le virus avance, puis recule. Comment veux-tu que je t'inocule ? En effet, nous allons devoir maintenant mettre en avant des mesures qui sont différentes, outre mesure, celles qui sont outre-mer. Nous allons donc maintenant travailler ensemble pour faire reculer le virus. Alors, des mesures se sont mises en place, notamment pour les personnes qui travaillent entre midi et 2 à partir de 15h, seront autorisées à traverser les voies ferrées, les animaux ayant plus de 4 pattes. C'est-à-dire, je m'explique, en toute connivence en intellectuelle et physique et quantique, nous allons tenter ensemble de travailler ensemble. Pour des personnes, certainement que tout ce que je dis n'est pas clair. Alors je vais me permettre de préciser. Il sera donc à partir de demain matin vers 23h, possible en fonction du code couleur de votre code QR, de votre numéro de sécurité sociale, peut-être de circuler une heure. Une heure le matin, une heure le midi et une heure l'après-midi. Alors comment on fait ? Eh bien c'est très simple, il faut se prémunir pour ceci, pour se faire une enclume de forgeron que vous porterez sur votre épaule, avec un code barre, avec des chiffres impairs. Seront autorisés à se promener le matin exclusivement les personnes de plus de 140 kg ayant comme activité sportive le baseball, la pelote basque, le golf et tutti quanti, c'est de l'italien. Pour les véhicules, seront autorisés à circuler les véhicules de couleur. Les véhicules en noir et blanc seront formellement interdites. Seront aussi autorisées les personnes qui arrivent à rouler en mettant les deux pieds dans la boîte à gants avec une paire de crocs. Ça, c'est pas tout le monde. Seront autorisés à circuler sur autoroute de 9h à 9h05 sur un tronçon de moins de 5 km à 30 km/h, puis à 70 km/h en fonction de la boîte de vitesse. Seront autorisés à sortir en pleine nuit vers 7h du matin les personnes qui auront un numéro de portable terminant par le 37. Je répète, le 32. Le variant poilu faisant son arrivée sur le nord-est de la France, vers Lille, Toucan, le camping de la Bourboule. Tout ce qui arrive par là seront des variants de type poilu. Il sera formellement interdit d'écouter Pavarotti, Carlos et Cousin Machin. Je pense avoir été relativement clair. Je vous souhaite un bon confinement à tous et à 2022.